Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce deuxième épisode de Starbound 1.0. J'allais dire Split Giraffe, mais non, c'est 1.0, c'est un truc de fou. Donc, par souci de protection de mes recherches, littéralement, si je peux appeler ça comme ça, j'ai décidé de créer quelques wooden platforms. Je vais en créer deux. Hop, parfait. Ce qui m'en fait un total de 20, hein, donc j'ai largement la place qu'il me faut. Et je vais placer ici un coffre, déjà, pour commencer. Et de l'autre côté, forcément, un deuxième. Et vous vous dites sûrement pourquoi ici. Tout simplement parce qu'en fait, ici, je vais pouvoir placer le coffre, normalement, sans être dérangé. Voilà. Et ce coffre-ci, aussi. Et il est assez haut pour ne pas m'embêter au niveau de la place. Est-ce que je peux supprimer, cela dit, ce premier cube? Oui, je peux. D'accord. Bon. Hop. Question de place. Et donc là, par contre, le problème va être de les... D'accord, de les rejoindre. Ok, donc ils sont beaucoup trop hauts, apparemment, maintenant. Ils sont beaucoup trop hauts. C'est génial, je fais des choses intéressantes, mais le jeu me dit non, tu n'as pas le droit de faire des choses intéressantes, Marcus. Tu es baisé. Ok, du coup, on va les mettre en dessous. C'est pas grave, ça ne me dérange pas, hein. Une petite saloperie, jeu, mais ça ne me dérange pas. Voilà. Au niveau de la... tout ça, déjà. Tout ça, je peux le rentrer dedans. Ça peut être intéressant de ranger tout ça. Au niveau de la bouffe, ça peut être intéressant de ranger de la bouffe aussi. Soyons honnêtes, vu l'importance de la bouffe, c'est intéressant de la planquer. Hop. On a pu voir tout ce qu'elle peut nous apporter, en l'occurrence du soin passif et... simplement de la survie, hein. Donc il est véritablement intéressant de planquer un petit peu de bouffe dedans. Déjà par principe j'ai replanté tout ça, planqué toutes mes graines. Je vais laisser ça. Je vais en prendre ça. Ça. Ah, je suis déjà full. Ah oui, c'est vrai, la bouffe ne se stack plus. Quelle horreur. Quelle horreur. Ok, bon. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vu aussi que je pouvais ici faire des cordes. Je ne peux plus maintenant, génial. Parce que j'ai rangé les fibres. Justement. Et que je les ai rangés ici. Non, ici j'ai dit. Hop, voilà. Crac. Ce qui veut dire qu'ici je peux me faire une corde. Voilà, c'est fait. Et donc normalement pas trop loin pouvoir me faire ceci. Avec un peu plus de timber. 40, ce qui veut dire qu'il faut que j'en fasse. Si j'en fais 5. Si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Hop. Et donc on peut se faire là. Ah oui, c'est vrai. Par principe, il va falloir que je reprenne toutes mes mauvaises habitudes. C'est cool. Merci Chucklefish. Non, faut pas dire ça. Avant de pouvoir la poser, il va falloir qu'on se fasse de l'espace. S'il faut qu'on se fasse de l'espace, il faut qu'on se fasse simplement un endroit où je peux la poser. Hop, techniquement, je devrais pouvoir être en mesure de la poser là. C'est ça. Et donc construire des choses. Print, casual, short. Ah, je peux avoir un short. Ah, ça m'intéresse, ça. Cotton wool, d'accord. Et on peut donc faire les dice. Ok, donc on a construit la plupart, hormis l'anvil, de nos stations de craft. Ce qui donne un gros bordel dans la dans le vaisseau. Hein. Sachant que je ne vais, comme je l'avais déjà expliqué mes autres... Ce qui me fait penser d'ailleurs que je peux peut-être... On est 84, ce qui fait que je peux en faire... 21, donc je vais en faire 10. Déjà. Hop. Voilà. Que je vais trouver une planète un peu plus adéquate pour pouvoir commencer à construire dessus plutôt que celle-ci. On peut récupérer du bois pour l'instant, ce n'est pas une nécessité. Cela dit, il va nous falloir des outils supplémentaires pour tout ça. Et pour tout ça, il nous faudra l'anvil. Et donc, du coup, on n'est pas encore prêt. Voilà. Pour tout ça. Cependant, si on pouvait creuser quelque part, on a quelques torches. J'ai pas, par contre, j'ai plus de... Hop. De charbon, mais j'en ai vu un petit peu tout de suite. J'en ai vu un petit peu ici, que je n'avais pas vu précédemment, ce qui est plutôt une bonne chose, ce qui permet de pouvoir faire d'autres torches. Hop, parfait. Par principe, quand on va creuser, du coup, on va essayer de creuser toujours de manière à ce que ce soit facile à descendre. Et à remonter.
qui peut paraître chiant au départ, mais vous verrez que c'est un gain de temps pas possible une fois qu'on n'a plus qu'à remonter. Même si vous savez tous comment ça va se terminer. En ligne droite. Hop. 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 Il va nous falloir un petit peu de fer, un petit peu de tous ces minéraux intéressants. Minerais. Ouais, non, minerais. Je sais pas si on dit minéraux. Ouais, bah, bref, des minerais intéressants. Vous savez qu'il y en a toute une flopée dans Starbound. Tout comme dans pratiquement tous les jeux sandbox. Hein. Même, regardez, même Elite Dangerous on a hein, maintenant. Hop. Un petit peu de lumière. Ah, forcément. Alors. Qu'est-ce que c'est? Oula. Ok, il y a eu un suicide de bestioles. Ah, il y a des bestioles qui sont assez balèzes aussi. Hein. Non, ça va. Ils sont aussi un peu cons. Mais bon. Ok. Aïe, ça m'a fait mal. Vache. Mais c'est qu'elles font carrément mal, ces saloperies. Hop. Comme en début d'aventure, j'ai pas tenté d'en stacker deux. On a pas énormément de... Bon, remarque, oui, il y avait plein de fibres. Tout. Je peux pas, de toute façon, je peux pas en stacker. Ok. Ok, voilà, merci de bien vouloir mourir. Il y avait un petit peu de charbon ici, ce qui peut être intéressant. J'ai pensé que j'aurais peut-être dû du coup récupérer un petit peu de bois, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que le micro est bien placé? Oui, j'espère. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire au niveau du son. Je suis en train de monter le premier épisode à l'heure actuelle pour pouvoir vous l'uploader en espérant pouvoir l'uploader dans la journée. Et vous le mettre ce soir, mais ça risque d'être short. Hein. Donc au niveau de ces torches. Ah, c'est un wooden log la torche. Hop, bon, ça m'en fera toujours une quantité intéressante, je peux me permettre. Au début de partie, une torche, c'est une vie. Le slogan, il est là. Il y a du cuir, il y a du cuivre pardon, et du fer au-dessus d'ailleurs. Que je n'avais pas remarqué. Qui se confond tellement bien avec le. Le sol. Ok. On pourrait passer. Voilà. Ah bah non, bah ça, là ça fait mal. Ok. Ok, par contre évite de me faire laguer jeu au moment où je stab dans un ennemi, s'il te plaît, merci. Je trouve ça un peu malsain. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette petite boule? Bizarre. On a de l'argent en dessous, vous avez pu le voir. On va aller le récupérer. Il est assez malléable. Hein. Je suis assez surpris d'ailleurs. Ok, un combo a suffi. Par principe, je vais mettre une lumière ici. Est-ce que je vais rapprocher le micro? Un instant. Vous allez me dire si c'est mieux comme ça. Je pense que oui. Je pense que oui. On peut voir qu'il y a du bordel en dessous, hein, si je puis dire. Il y a une tortue ici aussi d'ailleurs. Un petit peu de fer par là. Et un petit cuivre ici aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est des os, tout simplement. D'accord.
Ça doit être une espèce de cadavre de monstre, j'imagine. Sympa! C'est le petit ajout qui est vraiment, vraiment sympa à voir. Est-ce que je dois prendre la peine de faire tout le tour ou est-ce que je peux descendre par là? Est-ce qu'il y a un quelconque monstre en bas? Apparemment, il n'y a rien. Je vais faire descendre la tortue, cela dit. Est-ce que je peux regrimper là? Non. Là, par contre, je devrais être en mesure de le faire. Oui. Parfait. Alors, on recreuse un petit peu ici pour le cuivre. Un petit peu de charbon, ce qui est toujours la joie. On voit que la barre de santé commence à... La barre de... Comment de... De nourriture, de faim, commence à être assez low. Hop. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas eu le souci de la faim. C'est dans ce jeu en tout cas. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Ok. Il y a un bassin de flotte. Pourquoi pas. Oh, de la clay. Je me trompe pas. Ah, génial. Un matériau tellement sympa à utiliser en construction pour la brique. Je vais récupérer un tout petit peu, hein, pas besoin d'en récupérer de trop. J'ai vu qu'il y avait un passage au-dessus, donc je pense que je vais aller creuser là-haut. On va récupérer cependant un petit peu de cuivre ici. Hop. Parce qu'apparemment, il ne semble pas y avoir de passage pour remonter. Hop. Oh, t'es sérieux? D'accord. Ok, hop. Ornate wood, d'accord, c'est comme ça que ça s'appelle, pourquoi pas. Et donc ici, nous avons une boîte avec 15 torches. Génial. Alors j'espère que la musique n'est pas trop forte. Peut-être la baisser un petit peu, elle me semble un petit peu forte dans mes oreilles. Dites-moi si c'est mieux comme ça. On va remettre des torches. Elles nous servent aussi de fil conducteur, hein, vous le savez hein, maintenant. Avec le nombre de jeux sandbox qui sont sortis. Cocktail Molotov, des sales et un petit peu de fer. Génial. Hop. Ah, je déteste ces monstres. Vous le savez, je ne les porte vraiment pas dans mon cœur. Allez, bien. Parfait. En plus, il est complètement débile celui-là. Mais. Ah, d'accord, c'est le cadavre qui saute. Ok, j'avais pas capté. Ok, j'imagine que même principe, il y a là le coffre. Enfin, le petit truc secret, entre guillemets. Je redis bien entre guillemets parce que bon. Une fois qu'on en a vu un, on les a tous vus. Ah, il y a du PQ dedans. Génial. Je vais récupérer la boîte. C'est vrai que je suis allé un petit peu de manière bourrine, là, pour le coup. Je peux toujours pas remonter, j'imagine? Non, effectivement. Du coup, on va remettre ça ici. Hop. Et on va passer en 4. On va en mettre une ici. Voilà. Hop. Un petit peu proche, celle-là. Ok, il n'y a rien par là. Ici, il y a cependant un monstre. Ça va être tellement compliqué de remonter tout ça. Ok.
Hop. Oh putain, je l'ai pas vu. Je les déteste. Raté. Allez, meurs, c'est bon. Il y a des espèces de constructions ici. Ok. Oh, des hunting spears. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous savez quoi, je pense qu'on va remonter compte tenu du contenu qu'on a sur nous. Surtout ici en fait. Les quelques minerais qu'on a. Et le manque d'armure qu'on a et le manque de, comment, de connaissances qu'on a au niveau des armures qu'on va pouvoir tomber. Aïe. Allez, viens me voir. Ah, il me tombe dessus, c'est chiant. Hop. Merde, il y en a un petit peu ici. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Il y a une quantité de fer complètement géniale ici. Et je ne l'avais pas vu. Honte sur moi, vous avez dû me le crier, chers amis. Je déteste ces monstres en plus, c'est chiant. Ah, fallait que je tombe dessus sur le deuxième épisode, quoi. Mais bon, on retrouvera le chemin. On retrouvera le chemin. C'est ça qu'il faut se dire, chers amis. Hop. On fait une petite bouffe. Ah, il y a de l'orage dehors. Hop, merci. Est-ce qu'à partir d'ici je peux remonter? Oui, je peux remonter, parfait. Ok, on y va. Ah ah. Oui, faut pas trop tenter le diable non plus, hein. On va récupérer tout ce qu'il y a dans ce coffre. Ça c'est le... Hop. Hop, voilà. On va aller voir donc ici. D'accord, je suis en train de crever de faim. Je vais quand même faire ceci. Oui, oui, c'est bon, j'ai de la bouffe sur moi, t'inquiète pas. Ah, le bol de riz, c'est pas très nutritif, hein. Truc de fou. Je ne sais plus tout où j'ai mis ma bouffe. Ici, oui. Oh, dis donc. Il va falloir que j'apprenne à faire de la meilleure cuisine. Ça va véritablement devenir une nécessité. Et pas censé, je suis pas censé pouvoir faire du pain aussi là normalement, non même pas. Ok. Ok ok. Donc ici. Faut un peu plus de timber. Hop, voilà. Et on peut enfin construire l'anvil. Ah oui, c'est vrai. Ah! Hop, l'anvil qui devrait nous permettre de pouvoir faire des armures, donc, et des armes. À partir de vêtements, enfin de tissus et de minerais. Ok, bon. On va essayer de la caler quelque part. Hein. Hop. Ok. 10 devrait suffire, hein, de toute façon. Soyons honnêtes. C'était sur le principe. Ok. Dis-moi que tu passes si je te colle là. Non, elle passera pas, forcément. Ok. Il faut que je la décale de 1 en dessous. Je sais même pas si cette longueur-là va être suffisante. Donc je la passe comme ça. Pour l'instant, ça n'a rien d'esthétique. Vous savez pourtant que j'ai un... que je m'énerve assez rapidement au niveau de tout ce qui est esthétique. D'accord.
Ok, donc il va me falloir de la Woven Fabric. Et au niveau des armes, pardon, des armes, Basic Shield, Iron Broadsword, Rising Slash, Iron Shortsword, d'accord, Tuxten Axe, d'accord. Oh, de quoi me... un système de commande de pack dorsal pour me permettre de respirer là où il n'y a pas d'atmosphère, d'accord. On va me falloir du fabrique alors. Fabrique, fabrique, fabrique. Et ensuite, il va nous falloir aussi du cotton wool, pardon. Je vais y arriver. Cotton wool, il me faut donc des cotton fibers. D'accord. Là, je vais en faire une vingtaine. Ah bah, je peux pas. En faire qu'une dizaine. J'ai pas vu alors le prix. Alors, j'ai du mal voir le prix. Mais c'est pas grave. Ok. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on peut se faire déjà un début d'armure? J'aimerais bien me faire le torse, c'est rapidement, il me faut un string. Pourrais-je avoir un string? Dit comme ça, c'est très bizarre, mais c'est juste du fil. Bon, hop, ça c'est parfait. Allez, une armure. Hop. Que je vais équiper par-dessus. Hop, parfait. Parfait. Ok, donc on a un bout d'armure déjà pour commencer, ce qui n'est pas mal. Ce qui veut dire que ça... non, pas par-dessus, je vais le mettre là, je suis bête. Là, vous avez dû hurler à la mort. Je vais l'enlever d'ailleurs, par principe. Vu que je m'équipe petit à petit, je vais l'enlever. Ici, non. Non, 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 c'est ici, j'ai dit. Cotton wool, j'en ai qu'un. À ce sujet, ici, il m'en faudrait... Ah oui, non, je sais pas ce qu'il faut du tout. J'ai pas ce qu'il faut du tout, du tungstène. Je sais même pas comment on en fait. Est-ce que c'est marqué ici? Au niveau d'ici. Tungstène bar. Tungstène or. Oui, ça me semble logique, dit comme ça. On n'est pas encore vu, cela dit. Ok. Donc ça, c'est fait. Il va nous falloir donc encore une barre. Et ici, deux barres. Plus, un peu plus de fabrique. Ok. Ok, 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 ok. Par principe, il va falloir qu'on s'intéresse à tout ce qui est bouffe. Il va falloir du string, et j'en ai plus. J'ai plus de quoi faire de string. On redescend. Le timber, j'en ai encore. Il va me falloir des strings. Donnez-moi des strings. Donnez-moi. Faudrait que je tente aussi ce machin-là à chaque fois que je passe. C'est pour ça que je l'ai laissé en plus. Forcément. Pourquoi ça ne m'étonne qu'à moitié? Merci. Alors si c'est toujours le même à chaque fois, ça va pas le faire par contre. Hop. Ok, c'est bon. cette tentative de guac. Ok. J'ai ce qu'il faut au niveau des strings. Casse-toi le chat. Le chat. Le chat, pousse-toi. Il va me falloir encore 5 timber. Il va me falloir un string. Teddy bear, d'accord. Pourquoi pas. Un string. Hop, voilà. Je peux donc faire une hoe, qui va être extrêmement pratique. Et 30 timber. Donc si on fait... donc, il faut que j'en fasse donc 6, si je me trompe pas. Je suis très mauvais en calcul mental en ce moment, c'est très... c'est violent. Hein. Hop, très bizarre d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Hop, on descend. Et on va devoir se faire un petit... Ah bah oui, c'est... faut mieux que je sélectionne avant. Faut alors qu'on se fasse un petit terrain de... Enfin, vous voyez quoi. Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment c'est censé se passer au niveau du... comment des nouvelles... Enfin, de la nouvelle façon de faire du... comment de l'agriculture, hein. C'est là que ça va être le plus catastrophique. Sachant que là en plus ça n'a toujours pas repoussé. Ok, bon, c'est pas grave.
Oui, alors là, je fais pas du tout attention à la première planète, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Hop. Ce serait mieux si vous pouviez me voir quand même, je pense. Hop. Hop. Crac. Nous voilà bon. Ok. Parfait. Que ça ne pose pas de problème. Allez, hop, merci. Crac. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ok, ok. Bon, la O maintenant. Oh! Non, je la referai plus, je suis désolé. hop, elle doit être en 5, c'est ça. Si on n'a pas besoin de tout ça, mais c'est sur le principe. Hein. Ok. Est-ce que j'ai des cotton seeds sur moi au moins ou pas? Forcément non, je n'ai pas la moindre seed. Je vais aller la chercher. Crac. Du blé, ça peut être pratique. Et des patates aussi. Pourquoi j'ai pris du blé littéralement comme ça? Corn seed, ça peut être sympa aussi. Ok. Ah, j'ai le bouton take all, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas du tout fait gaffe, je suis désolé. Bon, on descend. On descend, on descend, on descend. Apparemment, il va vraiment nous falloir de la... du coton très rapidement. Hop. Oh mais merde. Ok, il explose en petite boule. Pourquoi pas. Ok. Les patates. Ok. La watering can, dites-moi que c'était pas un simple objet. C'était véritablement quelque chose que je peux utiliser. D'accord, ça marche. C'est très Animal Crossing-like, t'es impossible dans la possibilité de bouger. Je vais irriguer à peu près tout le terrain. Donc ça, ce sera fait. Est-ce que ça restera irrigué? Excellente question. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça repousse. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on repart en exploration? Il va nous falloir du fer. Donc on va plutôt repartir dans le sous-sol. Et garder les yeux bien ouverts pour essayer d'en trouver un peu plus tôt. Ce serait pas mal. Je suis persuadé qu'on en a loupé. Ok. C'est plutôt bien passé. Ok. Là aussi. Il y a de l'argent. Parfait, t'es un abruti. Il y a de l'argent. Il faudra peut-être que j'y revienne. Au moins, je sais où est-ce qu'il y en a, si vous voyez ce que je veux dire. Gardez les yeux bien ouverts. Hop. On a géré. On a récupéré des flares, ce qui est toujours pratique. Fait de la petite recherche, hein.
Est-ce que par là il y a des choses intéressantes? À part des monstres. Ok. C'est vrai qu'on n'était pas allé loin, j'avais l'impression qu'on était allé vachement loin, mais non en fait. Ici il y a quelque chose? Non. Pas beaucoup de minerais dans le coin. Oh là, nouveau biome en dessous. Pas beaucoup de minerais. Ah si, un petit peu de fer ici. Je viens tout juste de le voir. Hop, c'est vraiment pas la partie la plus intéressante pardon, du gameplay. Ah, ils sont deux. Oh là là, je déteste ces sales bêtes. Honnêtement, je les déteste. Ah, mais mince. Pourquoi tant d'insectes? J'ai rien contre les insectes en règle générale. Hein. Sauf ce qui est jaune et noir. En règle générale, ce qui est jaune et noir, je n'aime pas ça. Mais bon. C'est comme ça. Hop! On devrait avoir récupéré la quantité nécessaire. Hein. Maintenant. Les os. D'accord. Un petit peu d'argent, je vais revenir le chercher plus tard. Hop. Crac. Un petit peu de lumière. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est une mine! Non, ce n'est pas une mine, c'est un tombeau! Oh mon dieu! C'est un tombeau! Ah, j'ai pas la capacité de saut nécessaire pour monter assez haut. Là-bas. Oh. Ouais, ça je l'ai vu venir au dernier moment. L'erreur de ma vie. Si je puis dire. Ok. Pas de monstre. Un petit peu d'argent complètement gratuit, je vais le prendre ici, un petit peu plus à gauche, vous voyez, dans le... Il va falloir que j'arrive à monter là-haut. Hop. Ok. Ça se passe pas trop mal. La lumière, c'est mon chemin. Ah putain, c'est là où j'étais tout à l'heure. D'accord. Oui, c'est pas... Effectivement, c'est pas complètement stupide. Ici il y a un passage, si je peux le creuser ce serait vraiment parfait, comme ça je peux remonter bien plus vite. Et il y a une de ces saloperies qui est revenue, qui a repop. D'accord. Je regardais vite fait où en était le montage. Il y a encore du temps, hein. J'ai encore à peu près une heure de montage à côté. Ce qui veut dire qu'on est à peu près à une demi-heure d'épisode. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment que je remonte. Hop. Normalement ici on peut remonter. Parfait. En espérant avoir trouvé les quantités suffisantes, ça serait vraiment génial, en tout cas pour bien commencer. Ok, alors, niveau du copper, j'en ai trouvé combien? 7. Niveau du iron, je pense pas en avoir trouvé des masses. 3. Ah, ça pourrait peut-être être suffisant, je sais plus combien il m'en fallait. Ok. 4. Ah, il m'en manque 2. Non, une. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Il me manque une iron bar. Et j'ai vraiment pas ce qu'il faut, c'est vraiment bête. Et je vais faire ça ici. Hop. On va équiper notre armure. Notre pantalon.
Pimp. Ah, j'avais pas vu qu'on avait la posture de Superman. Alors. Oh, il fait nuit. Oh, il fait nuit. Ah, puis j'ai plus de... Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du truc là-haut? Voilà. J'ai plus d'eau sur mon coton. Catastrophe. Hop. Peut-être qu'un peu de lumière ne lui ferait pas de mal non plus, hein. Hop. Ok. Le reste n'a pas repoussé. Bah non, bien sûr que non. Il va falloir un petit peu plus de fer. Merde, Crudy. Ok, on y va. Hop, un peu de fer. Il est de loin celui-là, dis donc. Ok. Du fer, du fer, du fer, du fer, donne-moi du fer. T'es violé celui-là, c'est rigolo. Je prends des dégâts inutiles. Est-ce que j'ai de la bouffe sur moi avant de repartir? Parfait. J'ai pris une ration de survie. On verra bien. Elle vienne que pourra maintenant. Hop. On va redescendre par là. C'est une zone un peu moins explorée, donc on va en profiter. Il y a beaucoup de minerais en haut. Il y a beaucoup de minerais en haut et j'aimerais m'assurer que... Alors, attendez. Mince. Qu'il n'y ait pas ce que je recherche, justement. Ce serait bête de gâcher du temps à rechercher en profondeur. Alors qu'on a ce qu'il faut sous la main. Dommage, dommage, dommage. Donc j'aurais quand même récupéré le charbon parce que vous voyez qu'on tombe en... On va bientôt tomber en manque de commandes de torches. Attendez, il y a du cuivre ici. Ah, il y a peut-être du fer finalement. Il y aura peut-être du fer. Cherchons un peu. Creusons un peu littéralement. Creusons un peu pour voir si on peut pas trouver mieux. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien. Rien de véritablement intéressant, cela dit. Je vois rien d'intéressant. On va recreuser en profondeur. Tant pis. Je prends le risque, si je puis dire. Des grosses lianes. Ah, ça se récupère. Je vois un petit peu d'argent. Je me dis que... Potentiellement... Ah, zut. J'ai réussi à le faire, donc il y a moyen. Ah, mais mince. Hop. 7, 6, 6. Ah, la musique qui s'arrête pour le plaisir. Tellement de violence dans l'arrêt de cette musique. Là, il y a un petit peu de cuivre, c'est pas ça que je cherche. Là, il y a un squelette. Là, il y a un petit peu de cuivre. Désolé pour le rat. Ah mince. Il y a vraiment des petits lags dans le jeu. L'optimisation n'a pas été faite comme il faut. C'est pas bien, Chucklefish. Attention. Ce serait bête de se limiter à certains viewers. Enfin, à certains joueurs. Alors que vous avez clairement les moyens de faire mieux. Bon, je ne trouve pas de fer. Je viens de voir que j'en ai loupé juste à côté. Oui, oui, je l'ai vu. N'inquiétez pas. Cherchez dans l'écran. Ah bah là, il n'y est plus dans l'écran. Le gros indice de la mort. Oui, il y avait du fer, regardez juste ici. Hop. J'avoue, j'ai eu peur de tomber. Ok, on a le fer.
On récupère un petit poule à liane, là, hop, parfait. On a le fer en question. On a le fer à tout faire. Putain, il y en avait ici aussi. Non! Cette astuce. Si vous avez la gerbe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serais ravi de savoir que j'ai réussi à vous la donner. Parfait. On a le fer en question. On va pouvoir commencer à remonter. Et vous savez qu'ici, ça va aller assez vite, normalement. C'était plutôt par là, je crois, oui. Hop, parfait. Et les ennemis, on repop. Salut. Tu l'as senti, mon gros combo? Est-ce que tu l'as senti, mon gros combo? Oh, putain, ils sont nombreux, là aussi, ceux-là. Ils font mal, en plus, hein. Bon, la carapace qui tombe, ça fait toujours plaisir à voir, hein, vu comme je les déteste. Soyons honnêtes. Voir leur carapace vide et morte glisser sur le sol me fait toujours plaisir. On y va, on remonte. Hop. Ok. Et donc, on va pouvoir se faire ça normalement, oui. Normalement, c'est bon. Ok, on refait tout l'argent qu'on a pu choper, c'est-à-dire un. quelques fers. Avec un peu de bol, on va peut-être pouvoir se refaire une arme. Un peu de cuivre. Le scout viseur. En construction. Voilà. Ce qui fait qu'il augmente nos dégâts, mais aussi notre défense. Et notre capacité d'énergie et notre capacité à avoir plus de santé. Donc on n'a pas ce qu'il faut. Un peu plus de fer ici. 9,5, celle-ci fait 6. Ah oui. Même la iron, ça se trouve. Non, elle serait pas plus forte. Non, elle serait pas plus forte. Shockwave, et ici on a, d'accord, c'est une hache classique. Ok. Ok, ok. Pourquoi pas? Why not? Je suis d'accord. Je suis preneur. Ici, je voulais voir aussi pour notre... Non, c'est pas là? C'est ici? Non plus. C'était là. Exact. Exact, exact. Lantern stick. Il va nous falloir un peu plus de fer et encore plus de fer, j'imagine. Oui, tout à fait. Et un peu d'huile. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Soyons honnêtes, ce n'est pas du tout prévu. Cependant, un arc pourrait être une bonne chose. Et je peux en faire. Je suis censé pouvoir en faire un. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et l'arc, je suis censé pouvoir le faire. Et ça va être une utilité extrêmement grande. Parce qu'on va pouvoir récupérer de la viande. Et surtout, des cuivres. Enfin, des cuirs, pardon. Excusez-moi. C'est moi qui dis des bêtises. Alors ici, du coup, je peux mettre... D'accord, c'est pas ce que je voulais véritablement faire, mais c'est pas grave. De toute façon, le 4 est toujours à portée. Ici, je peux mettre ceci. Hop, parfait. Et nous voilà équipés. Ok. Ça, je peux le ranger, ça, je peux le ranger. Ok. Ok. Ok, ça je vais pouvoir ranger tout ça, par contre ça va être une nécessité aussi. Hop, ça c'est extrêmement important tout ça, je ne peux pas me permettre d'en perdre le moindre. Remarque, on ne meurt pas trop souvent pour l'instant. On est mort dans le premier épisode mais pas dans les autres, donc ça va. Ça va, ça va, ça va. On a connu bien pire. Parfait. Parfait, parfait. Le riz, j'aurais pu en planter un petit peu. Non, oui, non, non. Ok, la patate, ça fait du bien par où ça passe. Ok, on va aller voir vite fait du coup notre... tiens, c'est marrant, la patate, ça ne donne pas satisfaction quand on se nourrit. D'accord, ok. Why not? On redescend, on va voir vite fait où en sont les plantations. En espérant qu'il fasse toujours jour. Ça pousse, c'est bon. La terre est fertile. Hop. J'espère que je pourrai équiper des gens pour qu'ils aillent faire ce genre de boulot en fait, c'est-à-dire remettre de l'eau sur les plantes. Ça pourrait être sympa. Hop.
Ok. Ok, ok. Bon bah on n'est pas trop mal équipé hein, pour un début de partie. Pour un deuxième épisode encore mieux je pense. Ok. On avait du fer juste ici. Ok. Hop. Merci de bien vouloir mourir. T'es tombé dans le trou comme un abruti, c'est bien. Ah, il est ressorti, c'est encore mieux. Ok, bon. Donc tout ça est efficace. Maintenant, l'arc, est-ce que le fonctionnement de l'arc a changé? Non, il y a toujours bien la fameuse frame puissante. Poulet! Raté. Poulet! Hop, raté. Il est plus rapide quand il est agressif. Bon à savoir. Hop, je l'ai eu. Ok. Apparemment 10 de dégâts suffisent à le tuer. Ici, du cuivre. Génial. Donc on va la garder. Donc on va garder ce spot. Je peux appeler ça comme ça. Hop. Ok, bon. Pour l'instant, ça se passe assez bien. On a de quoi, entre guillemets, survivre. On a de quoi commencer les améliorations de l'équipement, ce qui est encore mieux. Donc voilà. Bon, on a un vaisseau qui est très chaotique visuellement, hein, mais bon. Ça fait le café pour l'instant, donc on va en rester là. En tout cas, pour ce côté-là. Ici, je peux cuire du poulet. Parce que le poulet, c'est la vie. Mais je crois que le fait de l'avoir cuit, c'était peut-être un petit peu tôt. Est-ce que là, on a quoi? Should stay fresh for a while, fresh for a while, fresh for a while. Parfait. J'étais déjà full nourriture, mais c'est sur le principe. Ok, et eh bien écoutez les amis, du coup, on va cesser là pour ce deuxième épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo!